Hello, chers Night Citizens. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le phénomène de divertissement le plus consommé de 2077, les danses sensorielles. Ces expériences de réalité virtuelle, poussées à l'extrême, incarnent la nouvelle façon de consommer la fiction et proposent des expériences toujours plus sensationnelles. Que vous ignorez tout ou que vous connaissiez que partiellement ce média, cette vidéo vous aidera à avoir une approche plus globale des danses sensorielles, de ce qu'elles sont, de leur histoire, des risques éventuels liés à leur surconsommation et des utilités qu'on leur prête. La danse sensorielle, abrégée plus couramment en DS, est une expérience de réalité virtuelle dite totale. Elle permet, via une transmission neuronale, de vivre pleinement et de manière réaliste une scène enregistrée par un danseur ou une danseuse sensorielle. L'utilisateur prend la place de la personne ayant capté le moment et ressent, en plus du toucher, de l'odorat, du goût, de la vue et de l'ouïe, les émotions que la personne traverse, les sensations qu'elle perçoit, la tension de ses muscles et une partie de ses pensées. En outre, la danse sensorielle permet littéralement de vivre à travers quelqu'un d'autre pendant le temps que la déesse durera. Ce média, pourtant encore marginal dans les années 2040, est depuis devenu le divertissement le plus consommé, supplantant les cinémas par exemple, mais aussi le domaine du jeu vidéo. Toutefois, pour pouvoir faire l'expérience d'une danse sensorielle, il faudra se munir d'un peu d'équipement, à commencer par une couronne. Ce terme renvoie au casque utilisé pour pouvoir s'immerger dans la DS. Il existe des couronnes fixes ou sans fil, mais toutes ont besoin d'une station de base pour fonctionner, un peu comme votre écran d'ordinateur a besoin d'une unité centrale. La station de base se chargera de traiter les données de la danse sensorielle et les transférera dans votre couronne. Elle se charge également de surveiller votre état de santé durant l'expérience, et si votre session s'éternise, la station de base pourra même vous injecter les nutriments nécessaires à votre survie, évitant ainsi que vous ne mouriez de faim ou de soif. Une fois votre DS insérée dans votre port personnel et votre couronne mise en place, de puissants flashs stroboscopiques vous plongeront dans un état passif, à l'image d'un état de transe ou d'un sommeil léger. Pour pouvoir plonger son esprit dans un tel état, il faut généralement être volontaire. Si vous n'êtes pas consentant, vous résisterez à l'état de transe. Faire l'expérience d'une danse sensorielle sans être en transe est une possibilité, mais c'est une expérience douloureuse. Votre cerveau sera submergé par le flot de données émanant de votre propre corps et de celui que vous pénétrez durant votre expérience. Pour résultat, vous vous retrouverez confus, désorienté et, si vous insistez, vous pourrez perdre connaissance et avoir de légères lésions cérébrales. La danse sensorielle a été inventée en 2007 par Yuriko Sugimoto, une étudiante diplômée de l'Université de Californie. Sugimoto est parvenue à enregistrer ses pensées, ses émotions et ses sensations physiques en arrivant à traduire ces informations depuis son système neuronal. En les transcrivant dans une puce, elle put revivre ce qu'elle avait enregistré avec précision. La danse sensorielle était née. Après l'obtention de son doctorat, Sugimoto travaille en tant que chercheuse en réforme pénale. Elle rencontre Norman Lassimer, un psychologue dans le milieu carcéral, et les deux explorent le potentiel de la danse sensorielle dans le milieu pénitentiaire. Bien loin de devenir un objet de divertissement, les premières danses sensorielles servaient à réinsérer les criminels en les positionnant dans une mise en scène de leur crime, où cette fois-ci, ils joueraient le rôle de la victime. Le projet a été soutenu financièrement par l'État de Californie et par Militech. Simplement, trouver des détenus volontaires pour accepter que leur condamnation à mort soit enregistrée et mise en scène fut une tâche difficile pour Sugimoto et Lassimer. Pour constituer leur base de données, Sugimoto et Lassimer proposèrent aux détenus une compensation financière pour leur famille, en échange de la mise en scène et la captation de leur mise à mort. Cette proposition fut un franc succès et ils purent constituer une base de données certes mince mais suffisante. S'ensuivit les phases de tests et les premières simulations purent voir le jour. Après quelques cobayes, le reconditionnement psychologique des détenus montrait enfin des résultats pertinents grâce à l'invention de Sugimoto, diminuant ainsi considérablement la population carcérale et la récidive. Le soutien financier de Militech s'est négocié en échange, pour la corporation, du droit de création de danses sensorielles, afin qu'elle puisse développer et commercialiser des simulateurs militaires à but d'exercice à d'autres forces armées. En parallèle, Sugimoto et Lassimer fondent Braindance Incorporated, première entreprise productrice de danses sensorielles et de matériel nécessaire à leur lecture. De son côté, DMS, une société de production de divertissement grand public, voit le potentiel de la danse sensorielle à devenir un produit de consommation globale et une nouvelle forme de divertissement. Un partenariat est entendu entre Militech, Braindance Incorporated et DMS pour réfléchir à ce projet. Au courant de l'année 2009, la première danse sensorielle accessible au public était née. Depuis sa création, le marché de la danse sensorielle s'est pour le moins diversifié. Aujourd'hui, cette technologie est utilisée dans différents domaines et à différentes fins. Faisons un rapide tour d'horizon de quelques-uns de ces types de danses sensorielles. Les danses sensorielles de fiction.
Sans doute le genre le plus répandu aujourd'hui, la danse sensorielle de fiction se consomme comme un film, sauf que vous en êtes le protagoniste. Généralement, les déesses servent à vivre des émotions fortes, c'est pourquoi les genres thriller, horreur et d'action sont très prisés. Le public est toujours en quête de plus d'adrénaline et de sensations fortes, et puisque cette technologie permet une expérience immersive totale des sens humains, les déesses de fiction permettent généralement de vivre un moment que jamais vous n'espériez vivre en situation réelle. Les quelques titres de déesses que nous pouvons trouver en jeu permettent de confirmer cet amour de l'adrénaline et de la mise en scène du risque, Le Retour du Psycho, Journal d'un bourreau ou Chute sans parachute, sans oublier l'inévitable Cri ma jolie cri. La danse sensorielle Corps étranger, réalisée par Luc Poller, vous propose par exemple de vous projeter dans la peau d'un personnage qui voit ses implants développer une volonté indépendante de la sienne. De là, ces derniers tentent de tuer leur porteur, vous vous verrez donc agressé par votre propre main chromée. Palpitant, non? Les déesses de Star. Les danseurs et danseuses sensorielles, ceux qui filment l'expérience, ont acquis une célébrité assimilable à celle des stars hollywoodiennes d'antan. Devenues personnalités publiques, ces stars captent parfois leur quotidien, afin d'offrir à leurs fans la possibilité de vivre une journée dans leur peau. Les célébrités nouent un rapport intime avec leur public dans la mesure où elles partagent avec lui des émotions fortes, des pensées, des sensations. L'utilisateur de DS peut littéralement vivre dans le corps de sa star préférée. C'est pourquoi les danses sensorielles de stars ont été développées afin de renforcer la proximité avec son public, lui montrer leur mode de vie, leur quotidien dans les galas, sur les tournages, etc. Ces danses sensorielles sont généralement très prisées mais totalement mises en scène. Il est évident que les stars choisissent ce qu'elles veulent montrer de leur quotidien au grand public. Les déesses pour les boîtes de nuit. Ces danses sensorielles sont un peu particulières. Elles ne proposent pas une immersion dans une scène préalablement enregistrée, mais permettent aux clubbers de se synchroniser parfaitement avec le tempo de la musique. La boîte de nuit peut aussi diffuser rapidement des émotions sur son public pendant les shows de DJ qu'elle propose. Ainsi, elle modifie l'humeur des utilisateurs de façon artificielle et permet à ceux utilisant leur déesse d'être dans le bon mood. La déesse à caractère sexuel. Sans doute le deuxième plus grand marché de la danse sensorielle, les déesses au contenu licencieux représentent un domaine vaste. Il peut s'agir de simples simulations stimulantes afin d'aider les couples traditionnels éprouvant quelques difficultés à s'unir, ou de déesses au contenu explicite mettant en scène des danseuses et danseurs accomplissant l'acte en lui-même. Ces danses sensorielles permettent non seulement de ressentir l'acte comme s'il était réel, mais aussi de connecter les sensations des participants à la scène entre eux. Autrement dit, en plus de ressentir ce que la personne qui filme vit dans la scène, vous ressentez également l'expérience qu'en a son ou sa partenaire pendant le tournage. Lors du montage, la production édulcore évidemment toute transmission de pensées indésirables, l'expérience doit être sensuelle et faussement pure. Les déesses pénitentiaires. Première fonctionnalité des danses sensorielles comme nous l'avons vu précédemment, les déesses pénitentiaires servent à reconditionner le détenu psychologiquement afin de le dissuader de toute récidive et de lui insuffler des notions de coopération et d'obéissance. Ces danses sensorielles sont toujours utilisées de nos jours. Elles consistent à faire vivre au détenu l'expérience de son crime en le plaçant dans le rôle de la victime. Les sessions durent en moyenne 9 heures par jour et sont accompagnées d'un suivi psychologique. Cette méthode fait ses preuves puisque le détenu finit par développer une puissante aversion pour la violence. En revanche, la plupart du temps, cette expérience ne se fait pas sans séquelles pour l'ancien criminel, développant généralement des troubles de l'anxiété. Les déesses thérapeutiques. La déesse thérapeutique est un traitement déjà très implanté et sans cesse en développement. Accompagnée d'un suivi psychologique, elle sert à traiter les pathologies mentales. Les sessions se font dans des environnements simulés et sécurisés où le confort du patient est pensé pour le confronter à sa pathologie tout en construisant un espace sain. Les déesses thérapeutiques sont utilisées dans le cadre du traitement de la cyberpsychose par exemple. On désactivait tous les implants du psycho et le plongeait dans une déesse proche du coma. Le but à terme était de désactiver le système neuronal du patient puis le reconnecter afin qu'il puisse réintégrer la société. La cyberpsychose était effectivement traitée, mais cela affectait aussi une partie de la personnalité du patient, le rendant presque végétatif. Les danses sensorielles thérapeutiques sont jugées très efficaces, mais sont également très chères en raison du matériel coûteux à déployer et de la durée d'un tel traitement. Les déesses religieuses. Le domaine spirituel exploite aussi la technologie des danses sensorielles. La déesse religieuse vise à rapprocher l'utilisateur de la foi. Les chrétiens, par exemple, s'en servent pour faire vivre à leurs fidèles la souffrance du Christ, en mettant en scène sa passion. L'exemple que nous pouvons voir en jeu n'est cependant pas fondamentalement une déesse religieuse. Certes, Joshua est convaincu du sacrifice qu'il fait et du bien qu'il peut faire à l'humanité en renouant avec les valeurs de la foi chrétienne, mais la société l'embauchant abuse clairement de sa naïveté pour proposer une forme de divertissement destinée au grand public. Qu'importe s'ils sont chrétiens, tant qu'ils vivent et ressentent une crucifixion. Certaines sectes s'en servent également pour prétendre aux plus naïfs de les faire interagir avec le divin, et ainsi pouvoir leur sucrer quelques généreux dons. Les déesses noires.
Les danses sensorielles dites noires regroupent l'ensemble des déesses illégales. Elles mettent généralement en scène de véritables crimes et délits, braquages, meurtres, viols. Elles sont généralement filmées du point de vue des agresseurs comme de celui des victimes et sont prisées des accros aux sensations fortes, déviantes et vicieuses. Généralement, les gangs opérant dans l'enregistrement de déesses noires font preuve d'habileté pour proposer à leur clientèle illégale des sensations toujours plus innovantes. Par exemple, un acteur peut croire participer juste à un vrai braquage sans violence, mais son comparse le trahit et le tue à la fin de la scène. Ceci afin que puisse ressentir l'utilisateur toute la violence de se faire tuer sans sommation, cumulant ainsi deux sensations fortes, celle de dérober un épicier sans défense et celle de mourir brutalement. Le Maelstrom est sans doute le gang le plus enclin à fournir ce genre de contenu immoral. En revanche, la qualité d'enregistrement et d'édition de ce genre de danse sensorielle sont généralement médiocres. L'expérience de ce genre de DS peut s'avérer dangereux et créer des traumatismes psychologiques chez le consommateur. On retrouve également les danses sensorielles dans le domaine spatial, pour simuler des conditions de vie en orbite, ou dans les entreprises, pour former certains employés à la pratique en leur illustrant l'expérience via une DS. Bref, le domaine d'implication des DS est aujourd'hui très vaste. Une DS peut se consommer à divers endroits, et généralement à travers trois médias. Tout d'abord, les arcades. Ces lieux sont spécialement conçus pour faire l'expérience de danse sensorielle. Là-bas, on loue une DS et un box équipé afin de pouvoir s'immerger dans le produit sélectionné. Généralement, les arcades deviennent également un lieu social d'échange dans lesquels on rencontre d'autres fans de danse sensorielle. Par ailleurs, les arcades se spécialisent généralement dans un genre de DS particulier afin de créer une clientèle récurrente et un esprit de communautarisme autour d'une même passion. Certaines DS sont même enregistrées par deux acteurs simultanément afin de relier deux individus dans une intrigue. Mais cela dépasse rarement le nombre de deux, et de manière générale, la DS reste une expérience solitaire. Ensuite, il est possible également de consommer des DS dans certains bars qui proposent des lieux clos à louer où vous pouvez visionner paisiblement votre danse sensorielle. De plus, avec les DS spécialisées pour les boîtes de nuit, ce service est de plus en plus courant. Au Lizzie's Bar par exemple, vous pouvez louer des DS sensuelles entre deux verres et un rapide passage sur la piste de danse. Il existe des systèmes de DS portables, mais leurs processeurs sont généralement peu efficaces comparés aux appareils fixes. Les sessions sont moins sensationnelles, et dans tous les cas, mieux vaut pratiquer la DS en lieu sûr, car votre corps physique est vulnérable lorsque vous êtes en session. Si vous faites une danse sensorielle dans la rue, vous vous exposez à tout un tas d'ennuis évidents. La création d'une DS passe par deux moments clés, le tournage et le montage. Le matériel nécessaire au tournage a grandement évolué depuis l'invention de la technologie. Si avant il fallait porter tout un matériel complexe sur la tête et éviter par conséquent la moindre surface réfléchissante pour que le public ne voit pas le dispositif d'enregistrement, aujourd'hui ce dernier n'est plus qu'un implant neuronal et les caméras sont les yeux directs du danseur ou de la danseuse. Un tournage professionnel d'une danse sensorielle ne mobilise pas énormément de personnes. Il suffit d'un danseur, d'un technicien vidéo et d'une personne surveillant les alimentations neuronales en plus des autres personnages présents dans la scène. La puce d'enregistrement se charge ensuite d'analyser et de convertir l'activité cérébrale de la personne enregistrant, puis de la stocker sur une autre puce, prête à être éditée. En revanche, la formation de danseurs ou de danseuses sensorielles s'avère fastidieuse dans le cadre pro, car le jeu est sur un tout autre niveau. Il faut que l'action paraisse réaliste et spontanée, même à l'intérieur du personnage qui joue. C'est pourquoi l'on évite de trop scénariser les scènes, et les acteurs sont généralement laissés libres de réagir à ce qui leur arrive, tant que ce soit crédible. De plus, le matériel doit être adapté et conçu pour son porteur. C'est pourquoi le calibrage du matériel sur le danseur ou la danseuse peut prendre des semaines avant de pouvoir tourner. Une fois le tournage achevé, la compilation de la scène est confiée à un monteur. Généralement, il n'y a pas besoin de plus d'un monteur par projet. Le processus de montage est fastidieux puisque la version brute de la danse sensorielle comporte énormément de résidus, pensées parasites, émotions passagères. On lisse ainsi tout ce qui n'appartient pas à l'effet recherché dans l'exploration de la DS et on se concentre davantage sur les émotions claires et les sens purs de l'enregistrement. Pour monter une danse sensorielle, il faut s'équiper d'un ordinateur suffisamment puissant, d'un casque de développeur et d'un gant de navigation précis. Les monteurs s'accompagnent généralement d'un système intelligent appelé IS qui va aider le monteur à supprimer les effets indésirables et accentuer les émotions déjà présentes dans la scène pour les renforcer. En raison du fait que les monteurs doivent visionner en boucle les mêmes scènes parfois très violentes, le taux de burn-out dans la profession est conséquent. En moyenne, les monteurs tiennent 10 ou 15 ans au plus avant de changer de vocation. C'est pourquoi les plus grandes productions de DS s'équipent d'IS de plus en plus intelligents et coûteux afin de remplacer les monteurs humains.
Malheureusement, la danse sensorielle n'est pas sans conséquences. Tout d'abord, notons que les déesses sont généralement une échappatoire pour les populations les plus pauvres. Ils peuvent, à travers une danse, vivre la vie d'un milliardaire, celle d'une avocate au barreau, d'un rocker adulé par ses fans, etc. Les danses sensorielles permettent en outre de vivre 1000 vies en une seule, et de plus, des vies bien meilleures que le quotidien des populations défavorisées de Night City. Par conséquent, l'addiction à la déesse est un vrai problème de société dans les strates les plus pauvres. La déesse peut parfois s'assimiler à une drogue, et elle a ses junkies qui préfèrent risquer de tomber dans les pommes en utilisant un matériel bon marché plutôt que de vivre dans leur réalité. Ceux-là finissent généralement par tomber dans un état végétatif et profondément antisocial. L'addiction à la danse sensorielle peut entraîner divers problèmes de santé dus à l'inactivité prolongée du corps, à une mauvaise alimentation et à l'isolement qu'elle crée. De plus, le fait de vivre la vie d'un autre peut également créer des troubles psychologiques comme des troubles dissociatifs de l'identité où l'utilisateur peut confondre l'expérience fictive à celle de sa propre vie et prétendre être ce qu'il n'est en réalité pas. Les émotions étant intensifiées dans les danses sensorielles et volontairement fortes, les utilisateurs qui en abusent peuvent développer une forme d'apathie, devenant des êtres pratiquement insensibles et amorphes. La réalité devient ennuyeuse et la déesse est leur seule source de stimuli émotionnels. La DS est donc un produit à manier avec précaution. Ce média opère dans bien des domaines, divertissement de masse, milieu médical, domaine carcéral et tant d'autres. La danse sensorielle et leurs danseurs jouissent d'une grande célébrité aux yeux du grand public. Malheureusement, comme n'importe quel média de diffusion, elle comporte sa face noire et totalement illégale, en plus de comporter de sérieux effets secondaires sur ceux qui tenteraient d'en abuser. Et voilà qui clôture cette vidéo autour de la danse sensorielle. Je ne sais pas vous, mais moi cette technologie me fascine autant qu'elle m'effraie. Pour le coup, je ne saurais pas dire si j'en serais consommateur ou pas, j'ai un peu de mal à me projeter. Et vous, vous pensez quoi de cette technologie? Dites-le moi en commentaire, ça pourrait être super intéressant. En attendant, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, chers Night Citizens, tâchez de survivre.